Religion à présent à l'église évangélique du Gabon, paroisse d'Angondje, ce culte des enfants de l'école du dimanche, des moments qui leur auront permis d'être édifiés sur l'importance de suivre le Christ. Daniel Boukar et Cédric Zendon font le point. Laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume des cieux leur ressemble, dixit Jésus dans les évangiles. Une parole qui inspire ce culte en l'honneur de tous les petits de l'église évangélique du Gabon, paroisse d'Angondje. Le but, voilà, de cet événement, de cette méditation, c'était premièrement de montrer aux parents qui étaient présents que nous devons éduquer les enfants selon les directives de Dieu, selon les voies de Dieu, afin qu'ils ne s'en détournent pas, permettre aux enfants de s'épanouir, de se distraire. À l'occasion, des jeux d'hiver ont agrémenté la journée, au grand bonheur de ces moines. Le but, c'est de montrer aux enfants la foi du Seigneur. Nous avons fait un petit rapport à l'intérieur qui parlait que Dieu nous aime. Par rapport au jeu, c'est bien, je me suis amusée. J'ai retenu qu'on a lu Proverbe 3, verset 6. On a dit « Montrer aux enfants la voie du Seigneur ». J'aime aussi bien ce jeu parce qu'on donne des cadeaux aux enfants, des poupées, etc. Ce moyen évangélique permet également de sauver plusieurs âmes. C'est aussi un moyen pour attirer les enfants, ceux qui ne viennent pas à l'église. Un enfant peut être de passage. Lorsqu'il voit les autres groupés, il peut venir. Après ce culte, suivront ceux des femmes, puis des hommes et enfin de toute l'assemblée, mettant ainsi un point final aux activités ecclésiastiques de l'année 2022-2023 pour l'église évangélique du Gabon. De leur côté, les fidèles de l'église catholique apostolique romaine traditionnelle, paroisse Sainte-Marie-Madeleine, étaient réunis autour de leurs responsables pour célébrer en différé la fête du travail. Messe d'action de grâce et remise d'attestation de reconnaissance auront été au tableau des activités. Idil Bijou Mombo, Arnaud Mengue. Chants et danses à la gloire du Tout-Puissant ont ponctué la célébration de la deuxième édition de la fête du travail en différé à la paroisse Sainte-Marie-Madeleine de Nzanyon. Une messe d'action de grâce officiée par l'évêque supérieur général. Son homélie a porté sur l'importance du travail pour l'homme en général et le chrétien en particulier. Dieu avait placé l'homme dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder sans effort. Nous pouvons méditer cela dans le livre de la Genèse au chapitre 2, dans le verset 15, et ce n'est qu'après la désobéissance et nos premiers parents que le travail est devenu pénible et le sol ingrat pour toutes les générations qui ont subi. Brice Clotaire Oligui Ngama, au ministre du Travail et de la lutte contre le chômage, a eu une invitation à la solidarité, un encouragement à ne rien épargner pour donner un nouvel élan à l'emploi dans notre pays, le Gabon. Cette édition met à l'honneur ces hommes et femmes qui se sont distingués par leur engagement au service de Dieu. Avec les moyens que le Seigneur met à notre disposition, nous avons voulu témoigner notre reconnaissance envers nos frères et sœurs qui apportent leur modeste contribution pour l'élévation de notre congrégation. La marque de reconnaissance a été appréciée par les récipiendaires. Je suis très contente parce que depuis 2008, le travail que j'ai fourni ici avec Monseigneur lui permet la rue du salut. La fête des travailleurs dans cette paroisse est une initiative louable car elle honore ses exercices souvent dans l'ombre sans véritable reconnaissance humaine. La Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale a demandé une messe de requiem en hommage aux disparus de l'entreprise avant de laisser place à une rencontre footballistique pour favoriser le vivre ensemble. Daniel Bouka, Charmindo. Ils ont tenu à poser cette action en mémoire de leurs collègues disparus. En file, ces agents de la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale apportent des offrandes dans la maison du Seigneur pendant cette messe commémorative où plusieurs se sont recueillis. Lorsque nous sommes dans une entreprise, nous formons un corps. Et que lorsqu'un membre serait amputé de par la mort, nous restons unis en gardant ce lien de solidarité, ce lien de fraternité. Et nous avons bien voulu nous souvenir d'eux. Parce que nous croyons qu'avec leur énergie, nous pouvons faire beaucoup de choses et qu'ils ne sont pas loin. Nous voulons également mettre Dieu au centre parce qu'ils sont à côté de Dieu. C'est important aussi de pouvoir mettre cette messe en exergue afin que leur famille sache que nous ne nous sommes pas séparés d'eux à cause de la mort.
et que nous restons, quoique morts et vivants, mais avec leur famille, nous sommes toujours unis. Quelques heures plus tard, c'est un match de football qui s'impose à eux. Ambiance sur le terrain, prônant la cohésion sociale entre collègues pour un meilleur rendement au travail. Nous retrouvons aujourd'hui pour le sport qui est un élément catalyseur pour rassembler, pour la proximité, pour la vitalité. Le sport étant la santé, le sport étant aussi un moment de rapprochement. Il fallait qu'au nom de Madame le Directeur Général, nous puissions donner ce signal, bien que nous nous retrouvions dans un cadre de principes économiques, nous puissions, en mémoire de nos disparus, nous retrouver également en famille pour cette chaleur. La prochaine étape consistera à faire des dons aux veuves et aux orphelins. Toujours en religion, coup de projecteur sur la foi Bahaï. Elle est répandue à travers le monde. Présente au Gabon, ses adeptes ont récemment célébré le message du rite vent pour l'année 2024. Voyons tout cela avec Henri Bukoko et Victor Mundunga. La foi Bahraïn est une religion répandue à travers le monde. Son fondateur, le persan Mirza Hussein Ali Nuri, reçoit la révélation divine au 19e siècle. À Libreville, le Centre National Bahreïn, en communion d'esprit pour la célébration du Rite Van. Les pré-jeunes ont lu le message du Rite Van 2024, message adressé au Bahreïn du monde par la Maison Universelle de Justice, l'institution suprême de la religion Bahreïn. Nous nous réjouissons de voir dans chaque pays et chaque région de véritables artisans de la paix. La présentation des principes qui sous-tendent la foi Bahreïn a laissé place aux chansons d'adoration. Dans cet élan, les femmes ont entonné en guissir des louanges, car loué soit Dieu, lui seul est Dieu, tous sont ses serviteurs et tous dépendent de son commandement, stipule l'un des préceptes de cette religion. La foi Bahreïn prône l'unité des religions. Ainsi, cette commémoration a été marquée par la communion spirituelle des chrétiens, musulmans et Bahreïn, et ce, pour la gloire de Dieu. La foi Bahreïn est une religion monothéiste révélée en 1844, proclamant l'unité hétéroclite de l'humanité. Les membres de cette communauté endossent par conviction le statut d'adepte d'une religion mondiale indépendante. Ici, au Centre National Bahreïn à Akébéville, pour Gabon Première, Henrik Bokoko et Victor Mudunga. Grande journée de la dédicace célébrée au ministère de l'Esprit et de la Justice. Ce rassemblement des serviteurs de Dieu du Conseil des Églises pentecôtistes, évangéliques et charismatiques vise à mettre le Gabon sous la protection du Saint-Esprit. On fait le point avec Marie Chantal Ndon et Jean-Herman Nguema. Dans leur démarche fédérative, la fédération Force s'est déployée comme une cohorte d'anges pour dédicacer l'année 2024 à l'Éternel, au ministère de l'Esprit et de la Justice. Nous vous accueillons avec joie et les bras ouverts. Amen. Nous sommes réunis aujourd'hui pour la dédicace de l'année 2024 de la Fédération Force et le maire est membre de la Fédération. Donc aujourd'hui, c'est la Fédération qui se retrouve dans cet endroit pour consacrer à nouveau, même si nous l'avons déjà fait dans nos différentes églises, à nouveau recommander cette année 2024 que nous puissions la terminer avec une victoire au nom de Jésus-Christ. C'est le révérend Michel Francis Badinga qui a procédé à l'homélie de la dédicace. Le rituel de la dédicace est un mystère. Le couple bishop Sylvain Edzan, hôte des serviteurs de Dieu, est honoré. Soulignons que la Fédération Force regroupe spécialement les Assemblées de Dieu du Gabon, les églises missionnaires et évangéliques, l'église de l'Alliance chrétienne et l'église pentecôtiste évangélique charismatique.